Bonjour Alexandre et bienvenue chez Agromâche en Pologne. Comme tu vois Alexandre, on se retrouve devant Hirondelle, c'est notre symbole. Donc je te propose d'y aller visiter l'usine. C'est parti, on y va. On est dans la partie d'usine où on a les plieuses et les lasers. Donc ici, on plie des pièces pour les machines de très haute gamme. Maintenant, on va aller voir les découpes de laser. Ici, on est dans la partie usinage où on fabrique toutes les pièces. Et comme vous voyez, toutes les pièces elles sont fabriquées par les robots. Ici, les pièces, elles sont chauffées à très haute température. Et ensuite, elles sont mises en forme avec des presses. Peinture où on peint toutes nos pièces Agromâche. Et voilà, pour finir, ici on est sur la chaîne d'assemblage, là où toutes les machines sont finies d'être construites. Bonjour à tous, alors on est la société AgriPartner, on est distributeur de la marque Agromaz. On a la chance aujourd'hui de faire la visite de l'usine pour avoir un support commercial, pour pouvoir voir la partie technique, pour pouvoir se conforter sur l'outil de production. J'imagine que vous avez sûrement dû déjà voir tourner une machine Agromaz par chez vous sans même le savoir, parce que ça fait maintenant depuis 8 ans qu'on la distribue et plus de 200 machines ont été vendues actuellement. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Pavel Novak. Je suis exploitant et propriétaire de l'entreprise Agromâche avec mon fils, ma femme et mes deux frères. Nous fabriquons des outils agricoles. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quatre différents outils à disque. Et je laisserai ensuite la parole à Christian, mon fils, qui vous parlera des outils à dents. Le premier est le déchaumeur à disque Faster pour un travail du sol superficiel de 2 à 4 cm. Il est équipé de disques ondulés spéciaux. Le deuxième déchaumeur à disque est le déchaumeur à disque BT Cut. Il s'agit d'un déchaumeur à disque qui peut être équipé d'un rouleau avant, ce qui le rend unique. De plus, il est équipé d'un chariot spécial qui est soulevé au-dessus de la machine pendant le travail, ce qui lui permet de travailler à une vitesse beaucoup plus élevée.
Nous pouvons installer plusieurs types de rouleaux et disques. Le troisième déchaumeur à disque est le BTC, le seul à pouvoir être équipé de disques de 620 mm de diamètre et le seul à pouvoir travailler à des profondeurs supérieures à 15 cm. Le quatrième déchaumeur à disque est notre plus grand, le Tiger, disponible en 8, 10 et 12 mètres. Aujourd'hui, il est équipé de disques cannelés pour faciliter la coupe des résidus de récolte. Bienvenue tout de suite au champ. Vous pouvez voir nos quatre modèles qui sont les leaders de notre gamme d'outils Adam. Nos cultivateurs vont de 2 à 5 mètres. Parmi eux, il y a l'outil semi-porté Runo. Ensuite, il y a le Runner, notre outil le plus réputé, un outil suspendu de 3 mètres, suivi de son équivalent semi-suspendu Runner X, dans une version de 4 ou 5 mètres. Et enfin, nous avons notre outil nommé Grizzly. C'est un outil plus complexe et polyvalent avec plusieurs sections de travail. D'abord, deux rangées de disques d'un diamètre de 510 mm. Ensuite, il y a quatre rangées de dents qui peuvent être utilisées pour un travail profond ou bien superficiel. Ensuite, il y a les disques de nivellement et enfin les rouleaux que nous pouvons configurer. Ici, nous avons un rouleau de type cracker, mais cette machine peut également être équipée d'autres types de rouleaux. Le Grizzly est disponible en 4 et 5 mètres et nous prévoyons d'élargir la gamme à 6 et 7 mètres en 2025. Chacune de ces machines se caractérise par le fait qu'en plus d'être capables de travailler à une profondeur de 25-30 cm, elles peuvent également être utilisées pour le déchaumage superficiel immédiatement après la récolte.